L'Assemblée générale de l'association Diapalanté, nous on le fait chaque année, comme c'est prévu par les statuts et les règlements intérieurs de l'association. Donc nous, à ce niveau-là, vraiment, on fait tout pour être à jour de tout ce qui a été décidé et dit au niveau de ces statuts et règlements intérieurs. L'association aussi a été créée en lien avec les services techniques de l'État du Sénégal, le service régional de l'action sociale, l'inspection d'académie, le service de l'AMO, CNAAD, et notre partenaire principal, je dirais même principal, je le dis deux fois, c'est l'ONG, le partenariat. Vraiment, avec les structures de l'État, donc on s'est mis d'accord pour mettre en place cette association. Les jeunes, on les forme sur beaucoup de domaines innovants, mais on insiste sur les volets qui gravitent autour du développement durable, voilà, pour un peu limiter les formations usuelles comme restauration, coiffure, etc. Nous, vraiment, on forme les jeunes sur des métiers innovants, comme par exemple le BTC, comme la voûte nubienne, le biogaz, etc. On a même formé des jeunes filles qui ont fait plomberie sanitaire, qui ont fait électricité, qui ont fait mécanique auto. Donc en général, ces métiers s'étaient dévolus aux garçons. Et on a eu aussi à former ces jeunes-là. Donc vraiment, on a différents volets où on forme les jeunes. Concrètement, là, vous savez, il y a les jeunes vulnérables qui malheureusement sont laissés en rade. Et ces jeunes-là ont le droit, comme tout autre jeune, d'être formé et d'être inséré. Et on l'a fait aussi pour lutter contre l'immigration clandestine. Parce qu'en ce moment, vous voyez, ça lui est un point de départ. Donc nous, au niveau de l'association Diapalé, on essaie vraiment d'appuyer ces jeunes-là pour qu'ils restent sur place et croire en eux, croire qu'ils peuvent réussir sur place au Sénégal. Donc c'est l'un des motifs qui nous ont aussi poussé à former ces jeunes-là et à appuyer ces jeunes et à les insérer. Parce que nous, au niveau de Diapalanté, j'ai l'habitude de dire que notre objectif final, c'est l'insertion. C'est vraiment l'insertion.